Le nouveau service interdépartemental de l'adoption des Yvelines et des Hauts-de-Seine existe depuis le 1er janvier 2017. Grâce à cette mutualisation de compétences, il est devenu le service d'adoption le plus grand de France, car il concerne potentiellement 3 millions d'habitants. Nos deux départements ont fusionné leur service adoption, hein, et c'était l'occasion de faire passer un message à ce service de l'adoption qui est désormais le plus grand de France. Je pense qu'il peut participer à faire évoluer la législation, dont on voit bien qu'elle est tout à fait adaptée. Et donc le fait d'être le plus grand peut permettre d'être le plus innovant et que cette innovation se diffuse sur l'ensemble du territoire national. L'adoption dans les deux départements représente 300 demandes en 2016, 184 dans les Hauts-de-Seine et 116 dans les Yvelines. Des demandes qui engendrent souvent une procédure de plus de 9 mois. Avec ce service, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, Patrick Devedjian, souhaite les simplifier. Dans le processus d'adoption, ce que l'on peut déplorer, c'est la suradministration et la déshumanisation. Dans l'adoption, il y a juste un mot dont on n'entend jamais parler et qui est le mot essentiel, c'est le mot amour dans la démarche. Ça, c'est presque inconvenant d'en parler. Pour l'année 2017, le nouveau service d'adoption dispose d'un budget de 102 000 euros. Pour simplifier vos démarches, l'organisme a mis en place le site Questions de famille.